Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde au sous-channel parlant. C'est toujours un plaisir pour nous croiser à chaque nouvelle sortie de l'émission Mon Éditorial qui peut être pour vous. Il y a un ensemble de vidéos, d'informations et d'analyses sous situation sociopolitique difficile que le pays d'Haïti a fait face. Là, la situation est vraiment compliquée par rapport avec le gouvernement de consensus qui n'a jamais atterri, l'a regardé au sein de la primature même avec le premier ministre Ariel Henry, illégitime de facto qu'il est. C'est le calme, c'est la patience. Et là, vraiment, on a demandé qui ça, monsieur, voulait faire un pays. Entre-temps, là, grosse situation panique dans Port-au-Prince après plusieurs cas de kidnapping. Kidnapping dans les papes dormi, kidnapping dans toujours à continuer. Des différents groupes en dedans pays et organisations, sociétés civiles, des professeurs d'université qui ont même choisi mettre campé groupe de travail sur la sécurité GTS. Il faut préciser pour nous là-dedans, il y a un ancien directeur général police, Mario Andresol, qui a décidé de garder comment il prend le travail sous problème insécurité qui a ravagé le pays. Il y a tout Jean-Rebel d'Orsena qui s'est. Youn nan commissaire, youn nan moun qui fait partie de CNDDA qui a travaillé sous désarmement, réinsertion pour éviter gang vin gang dans le pays. Et bien là, on dirait que monsieur a prouvé nous l'autre fois que pas gen rien qu'à régler en dedans l'État. Autorité aussi bataille entre eux, autorité aussi payer mon abattable pour créer des situations et qui n'a avantage. Nous pourrons parler de tout ça, nous pourrons gagner occasion pourtant déjà rebelle d'Orsena. Nous pourrons faire une analyse sous déclaration là pour mieux positionner par rapport avec réalité pays. Déjà, je vous invite à partager l'émission, partager la vidéo. En façon pour arrêter connecté sur tout ce qui a passé au plus haut sommet de l'État. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Mes amis, il faut bien le croire là. Haïti arrive en phase avec cause et sécurité en termes de sécurité. Côté nous quittons stade pour y tuer. Nous quittons stade côté que nous pas qu'à bailler résultat. On dirait que là, vraiment, n'a pas de mettre li. Et déchausser ça qui vient pour avec sécurité, à déchausser en dedans pays. On trouve dans une situation côté que bandit, c'est bandit qui impose au couvre-feu, bandit impose au l'heure pour sortir, bandit impose au l'heure pour rentrer, etc. Information qui rejoint nous, c'est que, et dernièrement là, gagné, il y a un bus qui tape sorti port de paix, qui a rentré Port-au-Prince, dans Goumon, bandit n'a pas examen intercepté bus 20 moun dans bus 100, il a kidnappé 20 moun ça. Yo attend que bon rançon qui versé, yo attend que l'argent bail pour libérer mounyo pour remettre bus etc. Et situation ça qui a passé au monde non, c'est pas une situation qui nouveau. C'est pas une situation qui fait paraître, c'est pas un groupe gang, c'est pas un groupe bandit qui fait venir. Deux ans de cela. Nous trouvons nous dans une situation côté que on attend des mêmes genres d'informations qui circulent, mais à cette époque, monsieur était plus traité dans un stade de rançonnement, camper machine, fouiller machine, etc. Mais là, il prend ampleur, il prend dimension, c'est intercepter bus, c'est prendre bus à l'avance, c'est kidnapper monde. Et l'année dernière, ancienne première dame Martine Moïse, l'était victime de moun sa. On a songé te gen deux agents et USGPN, yo même qui t'est mouri. Information t'est fait quoi un premier moment que c'est accident yo t'est fait, c'est après yo pral vin réaliser que monsieur yo t'est victime, yo t'est prend balle etc. Et c'était même groupe gangza, même groupe bandit ça yo qui t'est attaqué. Donc, c'est pour vous dire que nous, nos situations, nous retrouvons-nous entremêlés avec un paquet d'autorités ou même qui choisissent des passifs. Parce que je dis en là, il y a des responsables, il y a des hommes politiques, il y a des hommes influents, yo même pour yo passer au monde, yo gagné pour yo payer, yo gagné pour yo faire deal avec moun en façon pour yo passer en toute quiétude, en toute sécurité. Et population même.
Et moun sa yo qui a pris bus pour rentrer port de paix ou bien pour sortir port de paix pour rentrer port de prince, j'ai passé gros monde gros naïve. Comment ça y pour yo? Donc là, par rapport avec nécessité pour gain sécurité en dedans pays, hein, par rapport avec manque de volonté réelle, nous et autorité ou pas gain pour rétablir sécurité en dedans pays, hein, on va poser cette question, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui est-ce qu'on doit adresser dans pareille situation? Qui est-ce qu'on doit porter doléance devant dans pareille situation? Parce que le problème de sécurité en dedans pays, hein, c'est majeur, c'est grave. Et si on pas gain sécurité dans pays, on pas même capable de développement, on pas capable de stabilité, ou pas capable de rentabilité, parce que il y a des axes qui extrêmement important, qui des actes principaux aujourd'hui, hein, qui tournent autour même de la sécurité. Sécurité, hein, c'est comme on peut le dire, c'est base même toute stabilité, c'est base même tout développement au pays. Et c'est pour ça aujourd'hui on pourra le réaliser par rapport avec tout souci ça qui gagne en lui dans pays, par rapport avec passivité autorité. Donc on monde décide yo même yo chita ensemble, yo penser ensemble pour mettre camper un groupe de travail sur la sécurité. Parmi lui ou gagne Marion Andresol, ou gagne James Boyer, ou gagne Ashley Larac, ou gagne Pierre Espérance, tout qui fait partie et deux groupes de travail ça. Et groupe de travail ça il est intervenu dans un moment crucial. Côté que vraiment, il y a de graves problèmes de sécurité en dedans pays. Il n'y a pas venu dans le contexte pour venir substituer avec PNH, pour venir remplacer PNH, pour venir en support, pour venir produire des rapports, pour venir évaluer en termes de technicité qui ça qui a fait, qui ça a porté comme plus dans le travail PNH, qui ça a porté comme en plus dans ça qui gagne pour avec différentes structures, différentes institutions eux-mêmes qui gagne pour avec et causer sécurité en dedans pays. Le n'a gardé parcours, le n'a gardé référence différents monde qui fait partie de groupe de travail ça, on dit tout est-ce que vraiment c'est ultime situation pour Haïti gagner un plan stratégique de sécurité? Est-ce que c'est vrai moment là qui pral établi pour nous gagner et monde qui a pensé en termes de sécurité? L'on regarde, l'on prend à travers le ministère de l'Intérieur, Gensim qui c'est service et qui c'est service d'intelligence nationale qui ça qu'a réglé avec SIN, c'est l'argent qui est disponible pour eux, pas jamais moi qui travaille, qui produit en termes de renseignement. Parce que nous pas ouais qui ça qui fait de manière concrète, de manière formelle, pour eux que ok, gros problème de sécurité dans telle zone, mais qui plan stratégique qui mettait, mais qui plan d'action qui mettait, mais qui ça qui fait, qui c'est résultat et différents structures, alors que ministère intérieur a payé, que DCPJ a payé, dans ça qui vient pour avec et enquêteurs, dans ça qui vient pour l'argent de renseignement, etc. Nous pas ouais ça, c'est seulement l'argent qui a compilé, c'est seulement l'argent qui a dépensé, mais résultat n'est pas productif. Qu'on y a posé cette question. Nous avons gagné CNDDR, Commission nationale des armements et démantèlement réinsertion que ancien président Jovenel Moïse était mis décapé. Non souci pour lutter contre insécurité, non souci pour lutter contre gang, non souci pour lutter contre criminalité organisée, banditisme de notre pays. Tout au long de parcours CNDDR, là on prend le litige. Bon litige qui oppose commissaire CNDDR par rapport avec le palais national, par rapport avec primature, par rapport avec différents mondes qui influent dans le pays, qui ont même gain pour causer un problème de sécurité. Et c'est pourquoi. À plusieurs reprises, Jean-Robert Dorsena est intervenu dans différentes émissions, il est intervenu pour bail ça gagner comme appréhension, pour l'expliquer ça qui a passé au niveau de CNDDR, pour l'aider mon yo comprendre qui travaille CNDDR, qui objectif CNDDR gagner réellement. Depuis leur commission ça campé jusqu'à aujourd'hui, n'a posé une question qui ça CNDDR a réglé. Ok, il y a une quantité de travail, il y a une quantité de mission, yobali. Mais je dis, mis à part deux rapports que CNDDR a été réalisé, dans deux rapports, ça, on peut comprendre que yon public, parce que ça public, là, c'est sous quantité de gang qui est effectif en dedans pays, hein. Il faut comprendre que y a 95 gang, groupe gang armé en dedans pays, hein, jusqu'à ce que le réduit à 67, etc. On peut le comprendre, et Jean-Robert Dorsena qui t'a intervenu dans Micro Magique 9. Mais bien avant, on va l'expliquer.
rapport crucial, rapport tout moun tap tan ki gen pou wè avec 11 fami sa yo toujou a pale de yo de dan peyi a ki yo même yo nan commerce zam, ki yo même a fait trafic zam, ki yo même a fait trafic munitions de dans pays. Nous songeait bien entendu que président Jovenel Moïse était dit que il pas au courant de rapport ça. Même j'ai avec tout le monde, c'est tendé que gen on sont mis k'ap vend zam de dans pays. Eh bien, Jean-Robert Dorsenal il démenti formellement que président pas au courant parce que rapport là il était acheminé à la présidence, il était acheminé et à la primature, il était acheminé avec différentes autorités qui concernaient. Donc là nous trouvons nos situations, il faut qu'on réalise que problème insécurité, ça, son problème insécurité, c'est de graves problèmes qui ont même instrumentalisé, qui ont même un groupe moun qui choisit Bayo Jaret, qui choisit participer là-dedans, et gen moun même, gen moun à travers institution légale, yo, gen moun à travers et la présidence, à travers la primature, institution ça qui t'a censé jodi an la à bataille contre sécurité, les institutions régaliennes qui yo même ta doué à chercher criminel, ta doué à chercher bandit, ta doué à chercher gang, empêcher yo nuit société, et bien c'est même qu'à protéger moun sa yo qu'à vendre les kanzam qu'à vendre bandizam en façon pour yo faire l'argent en façon pour yo agrandir et économie en façon pour yo même pour yo toujours été des hommes et des femmes puissantes dans la République. Donc tout problème insécurité ça nous gen là. Tout problème banditisme ça nous gen là. Tout problème gang ça nous gen là dans le pays. Les autorités de l'État sont également responsables. Ils sont les principales responsables parce que yo même yo pas fait travail en tant qu'autorité. Yo même yo gen moun yo protéger parce que commerce zam nan, trafic zam nan, li important pour yo, yo impliqué là-dedans de près ou de loin. Donc bon quitte nous garder Jean-Robert Dorsenal qui t'a intervenu et puis après n'a retourner pour reste et commentaire. Nous pas gagne un bout ordinateur qui te l'emmène nous pour te sortir rapport nous. C'est nous fait propre stratégie nous mettre au dehors. Non seulement rapport à une toute autorité qui passe en place yo, et ça m'a dit à me confirmer rapport à une toute autorité. Là et pas seulement sous CNDDR nous fait rapport. Nous fait rapport même sous prison non bail. Et 4 mois avant prison ont été cassé dans quoi des bouquets. Moi même rap dit le matin. Autorité en place était au courant. Tu as gagné un travail comme ça que tu as fait dans le Kwa de Bouke. Ça est moins confirmé. Autorité était au courant d'après le prisonnier d'après le sauver dans la prison Kwa de Bouke? Non seulement de ça, nous demandons au groupe une disposition pour sécuriser la prison. Et moi, je parle de ça, je m'a parlé matin. Non seulement nous t'ai dit, mais ça pour faire pour sécuriser la prison. Et nous t'ai dit tout, nous t'ai dit une stratégie comment pour faire gestion et communication dans prison. Et gbagbagbag moi pas veut dire pour pas dire qu'on ça met sécurité pays en danger et ça que fait me pas dire. Des fois me parler dans radio. Des fois ça qui est de qui les on parler là les Anel de dans prison elle te sauver c'est de... Exactement. OK. Exactement. Maintenant regardez ensemble avec nous. Yon après l'autre, Jean-Robert Dorsenal, différents rapports CNDDR là bail à autorité parce que là on soulignait CNDDR là bail rapport yo à tout membre et gouvernement qui passe. Expliquez-nous qui différents types de rapports concernant CNDD là travaillent sur lui et remettent à l'autorité. Nous baillons un rapport, nous faisons évaluation combien groupes d'armées qui sont sur territoire national. Combien gain? T'es gain 76, mais t'es 95 qui t'es gain. T'es gain 76 actifs. Le ratio, gain parti là dans c'est politique, gain là dans c'est monde qui a fait zac volé, gain là dans c'est groupe secteur privé qui météo a couvri monsieur Sao. Et nous toujours dire et nous clair nous pas jamais cacher rien, nous pas gagner aucun groupe n'a supporté ni pas supporté, ça pas intéressé nous baillo pour nous agir. Si on pas agir c'est pas nous mêmes deuxième pas encore, nous font évaluation, nous font plan d'action, c'est sous plan d'action nous devons réagir depuis CNDD a monté nous gommer jusqu'à ce que juste pendant ma parole avant la matin. Nous faisons plan d'action au gouvernement pour que j'aime adopter le conseil des ministres. Pendant ma parole la matin, les pour que j'aime faire. Qui dit, ou pas qu'à prendre, ou pas qu'à faire des armements. Des armements, ce n'est pas un monde ou prend des armements ou un gouvernement avec un monde. On équipe mon nom et ton côté. On se rapport, dis-nous là, oui, c'est, ou dit, on fait un rapport sur la quantité de groupes armés qui gagnent dans le pays. Est-ce que nous avons un rapport sur vente des armes avec munitions?
nous balayons, à toute autorité établie, des présidents jusqu'à le président Moïse a dit. Le ministre de la Justice. Le président Jovenel Moïse a dit c'est rumeur, il faut que j'aime venir lui-même. Que ton désaveu, là, ça a été. Monsieur chef et monsieur journaliste, je vais me dire non. Ouais, bon, je suis tête main droite, j'ai des excuses, je ne vais pas faire. Je me dis que si le pas vérité, et m'a dit non. Si mini justice ta te gagné, pour qui ça on pre nous pas gagné droit bay mini justice, ça sont l'autre autorité qui pire au niveau mini. En par exemple, nous, CNDDR là, c'est en bas primatie, autorité primatie. Et non seulement nous connaissons, nous ne pouvons pas regarder, nous ne pouvons pas répondre. Ça c'est une. En plus encore, nous avons fait des tractations pour acheter une dans nous, dans la commission, pour nous voir si nous avons influencé à propre. Affaires personnelles. Et moi, je dis ça la matin. Hein, et moi, je confirme. Qui ça peut faire personnel? Qui ça peut faire personnel? Non, parfois, moi, je ne connais pas les gens qui parlent. Par exemple, nous, les rapports sur Juvenel, lui, dans la zone Malpass. C'est même rapport ça a été là. C'est même rapport ça a été à l'de Juvenel, lui, Malpass. C'est pas ton rapport, non? Comment était fait l'de? Juvenel, lui, qui a vendu des munitions dans la zone Malpass. Le DCPJ talbon la, même rapport. Il va dire l'autre, non? Par rapport avec toute situation, ça. Si vous ne pouvez comprendre ce que je dis là, un problème de sécurité, c'est un problème qui est caractérisé. Il est caractérisé par la mauvaise volonté, mauvaise foi, autorité de l'État ou gagne. Pas un pays qui pas de violence, pas un pays qui pas de problème et bandit, qui pas de problème gang. Mais ou toujours senti bon bonne volonté par bon côté autorité pour freiner et tragédie ça pour freiner maligne ça pour freiner ça ca nuit société ça ca bail société en problème mais par bon la caille nous pas ouais bonne volonté ça nous pas ouais ambiance ça qui pour amener la paix à la collectivité qui pour amener la paix à la communauté pas de question ça pas de causer ça et puis loin si nous aller puis nous pour nous essayer comprendre. Les gens rebelles dans une appel de monde qui n'a primature, KPC et sous-doyé des commissaires en dedans commission CNDD là. On dit tout. Non seulement par rapport avec situation que et par rapport avec situation qui aboutit avec assassinat Jovenel Moïse. Jovenel Moïse en tant que président de la République, il a toute responsabilité pour lever et au bon marche les institutions de l'État. Mais en dépit de toute responsabilité qu'a gagné lorsque vous avez une situation côté que vous mettez des responsables, vous mettez des autorités, peut-être des gens qui ont fait confiance dans les postes, qui ont même pas supposé des résultats, vous produisez des rapports qui montrent que vous avez travaillé. Mais dans la réalité, ou ap gade population toujours victime, ou ap gade sa kap passe, donc ou supposé questionner tetou. Ou supposé questionner tetou par rapport avec agissement moun sa yo. Ou supposé questionner tetou par rapport avec bonne volonté moun sa yo pour yon rétablir la paix de la cité. Ou supposé questionner tetou par rapport avec travail ka fait vri yo. Et c'est une bagaille qui pas de fait. C'est une bagaille qui pas de fait qui permet à ce que je dis en là. Et même au plus près, de cette fée, de cette juillet, hein? Jovenel Moïse pas dans dimension pour le réaliser que y a différents mondes qui fait partie de même gouvernement lien, de même pouvoir lien, qui ont même d'abord comploté pour tuer ça. C'est un problème de confiance, d'extrême confiance. Et c'est non faire mon confiance, leur mettre 10 ans en mine en portion, leur mettre 10 ans en mine en tête institution, qui pas cabaret, qui pas compétent, qui pas qualifié. Donc là, ou avin tout vos non situation côté que ou mettre été ou garder population en victime ou mettre été ou garder population à mourir ou poser tête question qui ça passé qui ça te mérité fait qui pas fait alors que ou mettez moun nan poste ou mettez moun nan fonction qui t'a supposé bay résultat mais ou pas ka bay résultat parce que ou gen intérêt moun yo protéger yo gen intérêt pour pas à protéger qui est vraiment qui a profité de trafic d'armes de dans pays qui est vraiment qui yo même impliqué dans trafic d'armes de pays. Moi, ma plusieurs reprises, nous avons n'importe deux émissions de fait sous ça, côté que l'opre et Dimitri Erreur lui-même, qui à plusieurs reprises, il mettait des sociétés anonymes qui impliquaient ou qui ont comme objectif de mission et société. Hein? Mission société en hein? Même, c'est vendre ZAM. Mission société en hein? C'est faire commande ZAM. Mission société en hein? C'est importer ZAM. Donc là,
Donc là, si vraiment t'es un travail qui t'a fait, alors que, ok, nous pour aller au point de départ, constitution, ben, tout le monde doit pour tes armes, mais c'est des armes légales. C'est des armes légales. Mais est-ce qu'en Haïti, il y a un mur? Est-ce qu'en Haïti, il y a des shops d'armes qui là, qui connaît effectivement, il y a 20 armes, ça, je suppose, enregistré? Non. Tout le monde qui a acheté des armes, non, ces armes imbattables, ces armes dans le marché noir. C'est le monde qui a fait trafic d'armes, qui a vendu des armes, qui a vendu des munitions. Donc, si t'es bon travail préalable qui t'es fait en deux d'institutions, si t'es bon travail préalable qui t'a fait en deux d'un ministère, en deux d'un ministère commerce, en deux d'un ministère et des finances, tout ça, le bon société qui vient enregistrer, ou regarde des motifs société, ou regarde des objets sociaux, là, et surtout, là, on a considéré les différentes sociétés anonymes que Dimitri a été capé. Là, prend le cas de Tradex, c'est ça. Son société qui spécialise dans l'importation d'armes, son société qui spécialise dans la vente d'armes, alors que c'est interdit par la Constitution, c'est illégal. Donc là, comment le faire enregistrer? Qui est-ce qui enregistre le poulet? Autorité. Autorité, parce que Dimitri Hera, à un certain moment de la durée, l'hypote qu'on implique dans tuer mon, l'hypote qu'on implique dans complot pour tuer le président Jovenel Moïse, il a eu du pouvoir. Il était pouvoir, il était autorité, il était sous pouvoir, il était réglé, ça, il était pour régler. Donc, c'est dans qui t'es écart, ça, yo. C'est dans qui t'es situation, et nous prenons situation, comme basique, nous quitter au passé, et puis après, au dégénéré. Au dégénéré. Donc là, si Dimitri Hera lui-même, il était qu'à enregistrer société, il a vendu des armes, il a pris des armes dans le pays. Donc posez-toi toutes questions. Posez-toi toutes questions. On s'en mis ça, qui pouvoir rien, qui autorité rien en dedans l'État, alors que on pas supposé enregistrer des sociétés qui gagnent des objets sociaux illicites, des objets sociaux qui allaient à l'encontre de la loi, qui allaient à l'encontre de la Constitution. Yo fait autorité ça qui fait là. Personne concerné ça qui fait là. La justice a supposé relé yo, la justice a supposé tendre yo et condamner aussi le faux. Yo pas jamais fait. Yo pas jamais fait. Et donc c'est pas la première situation qui posait côté que autorité yo impliqué dans violer la loi, autorité yo impliqué dans créer des situations, dans créer des précédents qui fatal pour société, population haïtienne, qui fatal pour société. Hein. Enregistrer société qui vend des armes, entrer des armes dans le pays, ou vendre cartouches, ou vendre bagaille. Qui est-ce qui défavorise? C'est vrai, on fait l'argent parce que nous créons situation pour des bandits, nous créons situation pour des gangs, nous créons situation pour des délinquants, et nous barrons jalette, c'est nous créons, c'est nous qui alimentons, c'est nous-mêmes qui rendons opérationnel. Mais je dis là, au détriment de qui est-ce? Au détriment de la société. L'on regarde dans la photo là, on dame qui mourit. Boss sans frontière. Depuis le dame n'a mouri lundi, il y a terre à toujours. Chez ta manger. Matin, jusqu'à matin. Jusqu'à matin, bah, qui triste, oui. Yo pas levé le chien qu'a mangé. Est-ce que c'est possible? Gardez dans qui pays n'a vivre. Gardez dans qui société n'a vivre. La vie, moun, pas vle dire rien pour autorité, yo. La vie, ou pas vle dire rien pour yo. Même dans l'an mort, yo pas, ou pas vle dire rien pour yo. Donc, c'est pour vous dire que, nous-mêmes, je dis, comme haïtiens, nous-mêmes, je dis, comme citoyens haïtiens, bon bataille qui doit être faite, pour permettre à ce que nous prenions place dans la société, pour permettre à ce que nous fassions des voix, nous faisons revendications au passé. Est-ce que, je dis, l'autorité, la pas créer une situation, côté que, c'est chaque monde qui peut protéger des gens, c'est chaque monde qui peut créer une situation pour protéger vie, pour protéger femme, pour protéger bien, pour protéger son gain. C'est ça, on veut faire. Dans le temps, on était condamné et brigade de quartier. Dans le temps, on dit et l'enfant brigade de quartier, on dit et la police, on dit et c'est mon ça qui a favorisé sécurité, c'est mon ça qui a tué mon mal, c'est mon ça qui a fait violence, etc. Mais on pas réalisé qu'on travail que on pas fait. On pas réalisé que mon ça qui monte brigade de quartier, on aurait plus proximité avec mon qui vivent dans quartier, qui vivent dans communauté. Parce que qui sa brigade de quartier a fait? Yo gen mission ve inconnu moun ka rentre dans zone nan ta questionné yo si yo zone vole yo barre avant yo puni en conséquence. Ça c'est la justice privée. Justice privée en côté que au fond bagaille moun nan tout yo li condamne etc. Mais la justice pénale, est-ce que justice pénale la marché?
Est-ce que le tribunal est fonctionnel tout bon? Est-ce que nous avons parlé de justice pénale? L'un de nous est dans une situation côté que sous soudoyer juge, on va juger un petit linge en battable et puis le pape la vendre dossier là. La vendre dossier là, ou même qui gagne, ou même l'État doit faire justice. C'est boulant les libérer. C'est boulant les libérer justice. Donc, si tu as qui ça a créé, il a créé de nouveaux délinquants, il a créé de nouveaux victimes dans la société. Nouveaux victimes, non, parce que, libéral trouver dans la situation, plus que des victimes de sa juge, en fait, libéral créer de nouveaux victimes. Donc, c'est exactement ça. Société est tellement corrompue, la justice tellement corrompue, autorité est tellement corrompue. Donc là, c'est mettre coq veille quoi ça. C'est une ou vient trouver une situation tellement prudent ou tellement veillatif, n'importe bagaille rend nous extrêmement fragile, n'importe situation li crée dans ou même li crée dans ou même on pouvoir pour faire qui ça, on pouvoir sur la vie moun, on pouvoir pour décider qui est-ce qui gagne raison, qui est-ce qui gagne tort et puis en façon on venge ou faire ça pour faire, j'en veux les faire là non. N'importe situation de délinquance ou en lieu d'un pays, c'est parce que l'autorité n'a pas fait travail. Si l'appli, au barbecue, j'en ai considéré qu'ils fait des victimes en lieu d'un société, mais également, yo même tout, c'est des victimes. Yo c'est des victimes de l'autorité. Par contre, yo c'est des victimes de l'autorité, l'État, yo c'est des victimes et de l'administration publique, ça va, yo doit pour faire des victimes. Non, non. Non, le fait que dans quatre là, autorité l'État n'a pas mis assistance sociale, n'a pas mis politique publique pour accompagner population, n'a pas mis des projets communautaires, n'a pas mis des projets de santé, ça pas bon droit, ça pas bon droit sur la vie aucun autre monde, ça pas bon droit parce que on est là avec machine, on pas de compte côté le faire, on pas de compte combien de temps le dit travail pour le faire, pour choisir machine dans trop belle, il va sembler pour kidnapper pour prendre machine etc. Non. S'il faut se rebeller, il faut se rebeller contre les autorités de l'État. Autorités de l'État, même gens ou jugés, ils font mal, ils font abus, ils font toute population abus parce que détourner l'argent de l'État, c'est détourner projet qui utile toute société, toute communauté. Et je dis, il y a différents gens qui en bas mes bandits, qui en bas mes gangs, côté que yo victime de kidnapping, yo victime de séquestration, yo victime et d'enlèvement qui ça pas dit pour yo, qui ça pas fait pour yo. Alors que on va réaliser nous même population qui fait partie de population, n'a pas exigé autorité l'État yo ba nous sécurité, n'a demandé aux sécurité, n'a fait mouvement pour exiger au fait travail, yo mettez campé des places stratégiques, attaquer gang, attaquer ghetto, côté nèg yo, yo caché, yo replié yo pour yo simaye victime pour yo et simaye en dedans paysan n'a demandé autorité au prendre engagement yo mais on attend des séries de magistrats on attend des commissaires du gouvernement on attend des directeurs départemental yo même qui a intervenu cap dou yo prend toute disposition nécessaire mais yo pas jamais joindre autorisation supérieure hiérarchique donc là qui sont dit tête supérieure hiérarchique qui yo même pas ba autorisation pour yo agir est-ce que le pas dans complicité hein est-ce que le pas dans complot hein? Est-ce que le pas dans complicité avec bandi avec gang yo cap terroriser population c'est seulement ça, c'est simplement ça. Parce que par rapport avec toute situation, ça, si une victime m'pote plainte et puis action qui pour faire là, son supérieur qui pour bailler l'autre, là, bailler l'autre, là, moi-même, mon premier réflexe, c'est dit que moun qui pas bailler l'autre, là, c'est parce que le complice. Et dans la majeure partie des cas en Haïti, autorité ouais qui en l'air autorité en cycle moun qui pour passer l'autre, là, que l'on CSPN, que l'on primature, que dans la présidence. Que le parlement, etc. Je dis, hein, conclusion avec bandit en dedans pays, avec gang, relation avec bandit, complicité dans l'insécurité, c'est grave. Comment on va combattre l'insécurité alors que moun sa yo, qui t'a supposé prendre responsabilité yo, pour yo mettre sécurité en dedans pays, c'est yo qui a fourni c'est yo qui a fourni munitions, c'est yo qui a payé bandit. Bon bagay, bon situation pour nous comprendre. Par exemple, si vous avez un problème de gaz, vous avez une crise de gaz pendant un mois, gaz pas qu'à sauter vers eux, gaz pas qu'à sauter tôt, etc. Information circulée fait quoi que tu as 40 millions de gouttes qui débloquent, ben, monsieur G9, en façon pour libérer gaz, pour faire passage. Imaginez,
Imaginons ou gen primature là ou gen premier ministre Ariel Henry qui c'est premier responsable, qui c'est principal et responsable principal autorité dans ça qu'a fait dans le pays, il n'a plus de président. Donc là c'est pas un président Ariel Henry, c'est les cap couper cap racher. Là nous clair sur ça. Ariel Henry, nous gen primature à chaque information ça qu'a circuler, qu'a véhiculer, yo courir à démenti. Pourquoi pas ne pas intercepter avant? Soudain qu'on a parlé de situation qu'on s'apprête à répéter dans la République, premier réflexe, avant d'éviter que pour une bral dit, pour information bral fuite, pour y'a douté, bah, en 40 millions de gouttes, c'est prendre responsabilité, c'est mettre sécurité en lieu d'un pays, hein. C'est travailler de concert avec la police, avec la justice, Marie Bandi, Marie Délicat, en façon pour pas trouver une situation quand on peut démenti, démenti, démenti. Hey, aucun problème, bon? Bagaille la fixe. Rete la pale. Zaz of Moringa pour tes solutions. 15 outils, c'est pour mal parlant même. Ça pour le permettre ou rallonger peine. Bal longueur vle, et puis survle, ou moun vle. Dans 90 jours seulement, solution non mais pardon ya. Et ou même ka fè rove. Madame n'a pas voulu dans Kaila. Coute qui l'autre fait pau pau. Ou fait bécate? Eh bien, pas inquiète, solution là. Gébon, yon traitement 100% naturel. Pendant 90 jours, tout bécate fini, zafo réglé, nan bon timami. Tout garçon ka utilisé entre 15 à 75 ans. Ou pas besoin de peur. Produit 100% naturel, yon testé et approuvé. Relez dans 514-886-9776 ou bien dans 37-55-46-06. Ou bien tout, passez sur website là, www.zestofmoringa.com. Suspend plein, Zest of Moringa, c'est solution. Et ça fait triste. Maintenant, là, m'attendais un commissaire qui t'a intervenu sur Radio Caraïbes, qui t'a, bon, crié, l'a crié dans un petit monde petit, dans un petit bébé. Pour qui ça? Parce que, et problème, phénomène insécurité, un fléau insécurité, on n'est pas capable encore, on n'est pas capable de gérer. Et il y a les plus loin pour le doux, il y a les plus loin pour alerter population nord-ouest. Si yota ou situation de sécurité, un kidnapping, un bagay qui fragile dans la communauté, au lieu de faire appel avec un policier, que yon a regardé qui, comment yon ka fait pour yon jeune regarder dans le département, dans la commune, dans façon pour yon alerter, pour yon bagay nouvelle. Parce que majorité policier nord-ouest, yon a connivence à gang, yon a une relation cocodaille, et fifi, figaro avec bandi. Est-ce que c'est possible? Voilà! Voilà. Faut avec toute situation, ça. Nous avons un PNH qui est déjà ineffectif. Nous avons même gagné 15 000 policiers. Majorité policiers kounyen, yo choisi, yo quitté, yo allé au-delà de mission protéger, servir. Là, si yo gen pour yo service, c'est délinquant, c'est gang, c'est bandit. C'est ça, yo fait. C'est la mauvaise pratique. N'empêche que, on a toujours gagné bon grain, mais t'as mauvais grain, yo. Ça, nous toujours sûr, nous toujours clair sur lui. Mais vérité qui gagne aujourd'hui, hein. Si, au plus haut sommet de l'État, nous pas qu'à faire, ou responsable, ou confiance, nous pas qu'à faire, ou crédit, ou vingou, ou non, situation, parole au président, ou contestel, parole au premier ministre, ou contestel, ou mettez l'en doute, parole, et chef la police, ou contestel, membre de SPN, ou contestel, tout le monde, toute autorité, qui a vini, qui a pris décision, qui a fait point de presse, conférence de presse, etc., bonjour, pas la vérité. Donc, dites tout bien. Essayez de comprendre la réalité. Hein? Si vous même parole yon pas fiable, yon pas en mesure, yon pas en mesure pour yon bon service, yon pas assumer responsabilité, yon pas assumer de droit, donc, qui sera le refléter sous policier en bas? Qui sera le refléter sous policier? Donc, avant tout, ces policiers ont une mission de l'institution protéger et servir, mais qui sont fait de moralité? Hein? Qui sont faits de moral là. Donc, situation ça est extrêmement grave. Situation ça est compliqué. Yo compliqué par rapport avec ou même qui sont civils, ou sont civils ou victimes, ou par contre qui est pour faire confiance, ou par contre qui est pour aller, ou par contre côté pour aller.
Li grave parce que la justice pas fonctionner contre tout moun sa yo qui a fait impunité en dedans pays hein? La justice pas fonctionner contre autorité sa yo qui a participé dans la corruption qui yo même y a favorisé insécurité en dedans pays hein? La justice pas fonctionner contre délinquant contre gang contre bandit hein? Donc population pas gain relé yo pas gain relé yo pas gain répondre yo pas gain répondre donc j'ai comme dire donc là. Donc là, nous besoin vraiment, nous besoin de véritables plans stratégiques. Nous besoin moun qui vraiment ka impliqué dans problème insécurité en dedans pays. Nous besoin des techniciens sécurité. Donc le groupe de travail GTS hein, c'est bienvenu, bienvenue pour monsieur yo qu'on y a assez chita pas quitter nous influencer malgré que me connaît travail là extrêmement difficile, il est difficile de collaborer avec des monde ou pas vraiment connaît et bonne volonté moun non pas connaît ça dans tête moun non pas connaît rien penser lui. Faut plan stratégique là porter dans ministère de l'intérieur. Alors, ce que pas connaît si ministre n'a pas de relation avec gang. Gardez ça que je t'ai sorti là sur Lise Kittel. Lise Kittel, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, il y a présomption de culpabilité sous dol dans cause kidnapping. Donc, voyez-vous, est-ce que situation ça, yo vraiment fait peur. Yo fait peur en pile en dedans pays, hein. Donc, nous besoin vraiment, nous besoin des autorités qui gagnent rectitude de vie, qui gagnent rigueur, qui fait preuve de moralité, de bon sens, qui fait preuve de bonne volonté. Parce que nous bouquons avec cumuler échec, nous bouquons avec prendre un paquet incompétent, pour un paquet nègre, même qui pas capable de résultat. L'on regarde passé, l'on regarde et arrière couyo de la couyo tout ensemble des formations qu'a collecté jou on peut passer néglan bay pour y sentir néglan li gen présomption culpabilité sous nous li pa clean néglan et on attendé que li séparé une petite gang li pa clean on attendé li gen relation avec bandi li pa clean on attendé le participer dans corruption déjà li pa clean. Donc si moun sa yo c'est moun ki pa clean, nous toujours prend maintenant tête institution yo, yo pa clean, nous prend yo, nous mette yo pour yo faire choix pour nous, c'est n'a toujours dans situation de délinquance, n'a toujours dans situation de criminalité organisée. Ça c'est clair, c'est évident. Et n'a fond bref et passé sur ça pral vini là comme nouveau cabinet ministériel, c'est sûr que et tôt ou tard cabinet à la montée, tôt ou tard il y a obligé faire présentation nouveau ministre, nouveau directeur général yo, il y a obligé faire présentation différents monde qui a gagné et pour aller dans tête au ministère, mais moun sa yo est-ce que yo t'ai présenté tout ça là fait en secret de la République. Ou a choisi un ministre qui pral servir population, pral desservir population, c'est en cachette. Ou a choisi un directeur général, c'est en cachette. Alors que, ou t'as supposé une semaine d'avance, sorti liste non moun yo, en façon pour population, pour société civile, en façon pour moun yo alerter, pour yo connaître mais qui est. Entre temps, nous t'avons été chercher par coup moun yo t'avons été bon ensemble des formations. Jodi a la autant de tel, c'est lui qui fait partie de cabinet. A. Et puis, pita information qui rejoint nous, il a retiré un tel parce que Baron pas d'accord, il a retiré un tel parce que André Michel pas d'accord, SDB pas d'accord, etc. Bon, moi-même, comment je vais focaliser maintenant pour venir par le public l'information? Si à 4h15, nous avons une information, à 4h30, l'information a changé. Donc, entre-temps, nous obligés à faire mon yo faire S, à faire mon yo tant. C'est pas possible. Parce que, en dedans tout ministère, dans toute institution, c'est pas la personne qui a dit qu'il a réglé. Pendant que Baron a baillé, SDP a baillé, tout le monde a baillé, et puis peuple lui-même, il y en attend, peuple lui-même, il y a une situation côté que, et li piégé. Donc, cabinet a sorti, et c'est toujours même mounio jusqu'à date, dernière formation que m'te gagné, c'est toujours même mounio, sauf que, gros ministère que SDP a poussé, et gagné en pile information là, comme quoi c'est ministère de la justice et de la sécurité publique, parce que nous connaissons monsieur ça, même, le pas clean, faut que gagné moun pa yo qui en bas cap géré, bah là, yo. Donc, ministère de la justice, bah, on souligne, SDP souligne, et laissez frapper, on pas qu'un gros mot à dire, mais l'essentiel, c'est que tôt ou tard, faut bon ministre de la justice. Donc là,
Na prochaine émission, on a gagné pour nous faire un gros débat sur le passé et différents ministres qui ont gagné pour venir. On a gagné pour nous faire un long débat sur le parcours, qui ça a capoté comme plus et qui ça tout. Et dans qui ça tout, on a venu contribuer pour enfoncer le pays, pour enfoncer la société en plus et problèmes. Comme toujours, Emedil, émission mon éditorial, c'est pas seulement information et formation. Mon mission pour toujours chercher pour te bay public là tout ça qui bon. Et bien je dis là m'a présenté les produits Rosa. Rosa c'est une entreprise locale 100% haïtien qui a évolué nan mette sou marché à bon gens produits de qualité. Ou ap jwenn spaghetti nan produit Rosa, ou ap jwenn duri jaune nan produit Rosa, ou ap jwenn macaroni nan produit Rosa, ou ap jwenn savon lessive nan produit Rosa. Depout an de parler de Rosa, ou gen tan wè produit de qualité, ou gen tan wè bon prix, ou gen tan wè bon produit. Eh bien si m choisi vinn présente au produit, m vinn choisi parle de li, c'est parce que li bon. Pendant n'ap kore production local la, avec Rosa, n'a tout profité pour ses dos. Oligarque pour ses dos, nexayo qui a accaparé et marché économique là depuis bien longtemps, c'est celle yo même qui a fait business, c'est celle yo même qui est entrepreneur. Et bien avec produit Rosa, nous vinn bayon riposte. Donc ou même qui à l'étranger qui intéressé pour bayon zanmi, on famille, on business en Haïti, ou ka contacter entreprise Rosa nan 28 13 01 40 ou bien ka toujours rele nan 36 99 94 02. Ou ap joine du riz, ou ap joine spaghetti, ou ap joine macaroni, ou ap joine savon lessive. Donc là, ou gen 4 ingrédients on moun ka vann, ka commence un business avec, donc pas hésiter. Moi même faire confiance, manger du riz, me tester du riz. Li pa bwè de l'eau, li pa bwè l'huile, donc bon bagay. Donc ou gen intérêt pour contacter, ou gen intérêt pour tester produit yo, et très bientôt là m'bral commencer vin avec produit Rosa yo. M'bral vin pote cadeau pour m'bral vin fò tester yo, m'bral vin fò goûter yo, tout pas inquiéter nous. Donc là, pas hésiter contacter entreprise Rosa et pour plus d'informations. Nan mwen pale avec nous là et information rive joine moi gòn note de presse, c'est d'ici 2h30 là Premier ministre, la primature, invite la presse pour venir dans l'investiture nouveau cabinet et ministériel. Mais question pour nous par rapport avec tout ça, parce que depuis le parlé de nouveau cabinet ministériel, gagnent, nous songez Claude Joseph, nous songez et position Claude Joseph par rapport avec République Dominicaine, par rapport avec Luis Abinader, nous connaissons la position Claude Joseph t'est divisé la République, gagnent d'accord, gagnent pas d'accord, et même dans le gouvernement, rien, rien, pas paquet de monde qui t'est contre décision ça, Claude Joseph t'est prêt pour lui répondre Luis Abinader. Maintenant, déjà dans situation côté que Claude Joseph c'est bon, il pas acheter canon jovenéliste disons, gagne un mouvement qui montait pour marrer tout le monde qui impliqué dans l'assassinat Jovenel Moïse, y compris premier ministériel qui gagne présomption de culpabilité sous Dolly. Donc ça est extrêmement important. Bon, bien là, qu'on y a qui s'accrive. Il y a un gros débat qui a fait, est-ce que Claude Joseph doit rester, est-ce que Claude Joseph doit aller dans le nouveau et cabinet ça qui a monté là. Et, dans le moment où on parle avec nous là, on peut garantir non seul bagaille. C'est que c'est toujours même moun yo. Même moun yo, ça ne veut pas dire c'est même tête nous là et avec Ariel Henry, non? Mais c'est même moun sa yo qui occupe et le plus haut sommet de l'État, qui occupe poste ministériel depuis bien avant, c'est même moun sa yo qui ont habitude et de ministère, c'est même yo même. La jeunesse par place, pendant que nous avons demandé pour la jeunesse impliquée, pour la jeunesse possibilité, pour intégrer, etc., nous voyons comme si yo créé une situation pour pousser nos jeunes yo dehors. Leur propre Joseph. Est-ce que, selon vous même, Claude Joseph, il t'a doué dans le nouveau cabinet ministériel, là, il t'a doué reconduit, il t'a doué là, et comme chancelier haïtien, comme ministre des Affaires étrangères, ou qu'à répondre dans le commentaire? Répondre dans le commentaire, ses positions, ses droits ou gagner, ses obligations pour participer dans la vie politique pays, parce que c'est haïtien, c'est citoyen haïtien, ça va passer en dedans pays, il doit concerner. Mais moi-même, ça me gagne pour dire sous situation Claude Joseph ça, sous nouveau cabinet ministériel ça, qui a monté là,
Li évident que premier ministre Ariel Henry li pas mesurer ampleur gravité problème pays. Li pas mesurer crise politique là, li pas mesurer problème sécurité, li pas mesurer problème économique yo, l'on regarde prix marché, prix produit première nécessité qui grimpe, volé à volé. L'on regarde un sac ciment jodi là, c'est 1000 goud. L'on regarde un paquet de problèmes en dedans société, des problèmes sociétaux qui méritent pour autorité l'état yo voye zye sou yo, mais c'est plutôt bataille politique arranger yo arranger l'autre etc. Donc tout le monde a choisi moun pour yo mettre en dedans ministère yo, tout le monde gen candidat idéal pour yo et présenter Ariel Henry pour Ariel Henry mettre pour yo, mais vérité on sait que nous même qui fait partie du peuple nous pas gen candidat, nous pas gen candidat parce que les gâteaux bat nous pas connait gâteau sous table, nous pas wel gâteau fin séparé fin coupé, nous pas participer là-dedans. Et c'est pour vous dire problème pays, problème insécurité, problème politique, nous tout nous wel maintenant c'est impliquer nous pour nous garder comment nous capoter solution, comment nous contribuer dans changement, dans renouveau et dans stabilité, dans sécurité en dedans pays. Pas rien Henri pral faire là qui ca garantir quoi que ce soit comme stabilité, qui ca garantir quoi que ce soit comme sécurité. Il y aura toujours des clans politiques, il y aura toujours des clans économiques, a toujours gagne guinan secteur privé a cap bataille entre eux en façon et pousser groupe qui plus influent qui bénéficier contrat l'état, on groupe nèg cap toujours bataille pour contrat rétabli, pour toujours jeune contrat courant, pour toujours jeune contrat gaz, pour toujours joindre et franchise douanière illimitée, pour toujours joindre et zone franche dans mes autorités. Donc c'est ça, c'est une bataille politique qui se fait, c'est une bataille économique qui se fait contre le peuple haïtien, contre la classe populaire. Et donc, n'a pas de mettre, nous avons problème. Nous avons paquet de problèmes, faut que nous résoudions, faut que nous gérions. Entre temps, m'bral quitte nous là, m'a dit tout le monde, bye bye, oui. Pas oublier, partager l'émission. Un maximum de partage, un maximum de commentaires, un maximum de likes. Rendez-vous en décassé pour demain sur même chaîne, dans même le A, des micro-présentations. C'est toujours même Yannick là, même voix. On n'est pas changé, merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, ou et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, de chez Chanel Paula, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.